Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. On va déballer ensemble la Fairy Loot du mois de mai. Oui, c'est bien ça, il me semble. Vous constaterez que le cadre est légèrement différent. On est tout en bas de mes étagères, je suis simplement assise par terre en fait. J'avais la flemme d'installer la table et la chaise et tout le tralala. Je viens de rentrer du boulot donc on va faire ça à la cool, hein, on va dire ça. Alors, je crois que le thème avait un rapport avec le désert. Desert Dreams, c'est bien ça. La spoiler card est à l'envers et elle est légèrement abîmée. Je suis un peu deg là. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais poser ça à côté. Donc, je vous montre le visuel de la thématique du mois qui était Desert Dreams. C'est très aladdinesque comme visuel. Je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois. Et elle est abîmée là, vous voyez, elle est gondolée. Elle a pris un coup, je pense, dans le transport. Bon, c'est dommage. Mais c'est comme ça. À l'arrière, il y a les spoilers, mais je ne vais pas regarder ça tout de suite pour ne pas me spoiler le contenu de la box. Et on commence tout de suite avec le truc énorme qui dépasse et qui, si mes souvenirs sont exacts... non, ça n'a rien à voir. Je crois qu'il y a une bougie dans la box quelque part. Bon, je ne vais pas regarder tout de suite, mais il me semble qu'il y a une bougie quelque part. C'était l'item qui était spoilé dans la box précédente. Et je pense connaître le titre du roman qui est dans la box. Et il me semble que je m'en souviens approximativement. Du coup, je vous dirai, je vous donnerai mon idée avant de le dévoiler. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que je triche. On commence par le premier item qui est une boîte en métal hyper jolie. Inspirée par We Own the Flame de Hafsa Faisal. Je pense que oui, ça doit être le nom de l'autrice. Oh, elle est magnifique. Oh là là. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Ouh! C'est une boîte à thé, en fait. Je pensais que c'était une boîte à biscuits, toute simple, mais c'est carrément une boîte à thé. Oh, elle est sublime. Et ça tombe bien, parce que moi, j'achète que du thé en vrac, maintenant, en fait. À part pour le boulot, malheureusement, c'est trop compliqué d'emmener à chaque fois la cuillère et tout pour faire infuser. Donc, à ce moment-là, je prends plutôt des sachets. Mais c'est vrai qu'à la maison, je bois que du thé en vrac. Et du coup, ils sont dans des sachets. Et alors là, cette boîte, mais elle est juste sublime. Regardez-moi ça. We own the flame, the light in the darkness, the good this world deserves. Elle est incroyable. Alors forcément, elle est en métal, il y a pas mal de reflets. Mais ce bleu, mais mon Dieu, c'est ma couleur préférée. Ce bleu nuit comme ça. Les détails qu'il y a sur cette boîte, mais regardez ça. Bon, alors forcément, la caméra fait pas le focus. Hein, c'est une webcam, donc elle a un peu de mal. Mais on a des flèches ici. Avec un collier et ce qui ressemble à un anneau. Et de ce côté-là, on a des... Je ne me souviens plus comment on appelle ça. J'allais dire des sabres, mais... Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue, mais ça ne me revient pas. C'est pas grave. Et donc derrière, la citation avec le nom de l'autrice. Et ça, c'est une saga que j'ai très envie de lire. J'avais pas vu, mais sous la boîte, il y a aussi une lune comme ça. Oh, elle est incroyablement belle, cette boîte. Je l'adore. Et donc c'est effectivement du métal. Elle est trop magnifique. Le couvercle est doré. Enfin voilà, c'est vraiment une boîte à thé classique. Elle a un format hyper sympa en plus. Elle n'est pas très très haute. Ça va être pratique du coup pour mettre la cuillère. Parce que quand il faut aller chercher au fond des boîtes pour récupérer les quelques dernières miettes de thé, c'est un peu la galère. Mais du coup, je trouve ça trop trop cool. Et vous savez ce qui serait bien de mettre comme thé en vrac là-dedans? Du thé à la menthe. Mais bon, ça pour l'instant, j'en ai plus. Donc faudrait que j'en achète spécialement. Mince alors. Non, en vrai, j'en ai plein d'autres, des thés qui attendent juste leur boîte. Donc, je pense que ça va être utilisé très, très rapidement. Ensuite, je vais enlever toute la paille violette parce que là, tout est camouflé. Ouh ! Alors, ça tombe bien parce que je n'en avais pas. C'est une cuillère en bois. Je n'en ai pas, je n'ai que des cuillères en plastique. Alors, there's no such thing as just story. Halloween Hamilton. Donc, Rebelle du désert, il me semble. Dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà. Inspiré par la série Rebelle du désert, je me souviens pas du titre en version originale. Mais bon, je crois que c'est cette autrice qui a écrit cette série, donc ça me paraît logique quand on connaît le thème. Elle est incroyablement belle, mais je vais pas oser l'utiliser pour faire ma soupe, en fait. Ce sera juste de la déco. Elle est trop magnifique. Et je trouve ça trop original comme item, en fait. C'est utile, bon après, à vous de voir si vous voulez réellement l'utiliser ou pas, mais je trouve ça vraiment, vraiment trop chouette. C'est hyper original, j'adore. Et c'est aussi une série que j'ai envie de lire, donc on est plutôt pas mal pour l'instant. La bougie. Je savais qu'il y avait une bougie. C'est bien une bougie. Parce que si je... C'est une bougie. Je vous dis que c'est une bougie et c'en est pas une, ça craint. Alors, le pot est assez, assez commun, le couvercle est en plastique. The Tribal Desert. Soja.
vegan, inspirée par An Ember in the Ashes de Sabataïr, donc une braise sous la cendre. L'étiquette est violette. La caméra fait à peu près le focus. Ah bah voilà, il suffit que je le dise pour qu'elle arrête. Alors. Waouh! Ah, ça sent trop bon. Alors, je pourrais pas vous dire ce que ça sent exactement. Je sais pas si ce sera noté dans la spoiler card. C'est très très sucré comme parfum. J'adore. Ça sent la vanille, mais il n'y a pas que de la vanille. Oh là là, ça sent trop bon. Donc, elle est blanche, toute simple, avec une mèche classique en. C'est du coton peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas une mèche en bois. Voilà. Juste un petit peu déçue pour le couvercle en plastique. Mais c'est super sympa. Les bougies, voilà, j'en ai plein. J'en ai une grosse là, j'en ai une là, j'en ai une là. Enfin, voilà. J'adore les bougies. Mais je pense jamais à les allumer. Mais quand j'en ai et que j'y pense, je les allume. Donc c'est cool. Et Une braise sous la cendre, c'est aussi une série qui me fait très envie. Donc. Pareil, on est plutôt bien là pour l'instant. Ensuite, je vois dans ma boule de cristal. Ou non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Magic Desert Sand. Bath Salts. C'est des sels de bain. Sandalwood Scent. Boîte Santal. Je suis pas trop trop fan. Là, je vais pas les ouvrir parce que je vais pas les utiliser tout de suite. Mais voilà, c'est des sels de bain. C'est assez hermétique, donc je pense qu'ils sont pas mal préservés. À mon avis, ça fait, je sais pas, peut-être deux. De bain, j'en sais rien. Et le visuel est super sympa. Je vais vous le montrer, hein. Pas de panique. Je regarde juste s'il y a des ingrédients. Oui, ingrédients. Voilà, il y a juste la liste des ingrédients. Je ne sais pas de quoi c'est inspiré. Mais c'est possible que ce soit pas inspiré d'une série en particulier, puisque le thème étant Desert quoi? Desert Dreams. C'est en lien avec le désert, c'est du sable du désert, tout simplement. Donc ça peut être juste un item. Inspiré du thème et non pas d'un fandom en particulier. Pareil, c'est assez sympa comme item, je trouve ça original et je sais que je vais les utiliser puisque je prends des bains rarement, mais ça m'arrive. Donc voilà, j'ai d'ailleurs toute une collection de bombes de bain de chez Lush que j'utilise avec parcimonie. Donc je pense que ça peut être sympa aussi. J'ai chopé un truc en tissu. Il y a plusieurs trucs en tissu. Alors, premièrement, c'est une pochette pour ranger les lunettes. You can choose what happens to you. But you can choose who you become because of it. The Forbidden Wish, Jessica Curry. Alors, le recto et le verso sont identiques. Et ça me dit rien, ce titre de série. C'est. Ah oui, non, c'est juste qu'il est mal mis le truc. Voilà, donc c'est tout simplement une petite pochette pour mettre. Enfin, j'ai dit les lunettes, mais un téléphone portable rentrerait peut-être éventuellement aussi là-dedans. Pour le coup, moi, ce serait plus pour les lunettes parce que je suis pas sûre que mon téléphone, d'ailleurs, je sais même pas où il est. Rentrerait là-dedans, je pense qu'il est un peu plus large que ça. Quoique, je ne sais pas. Pareil, l'item super original, je trouve ça vraiment chouette. En termes d'originalité au niveau des goodies, on est vraiment bien là, franchement. Il y a juste là, je vous dis, le fandom. Là, comme ça me dit rien. Mais ouais, et j'aime beaucoup les couleurs. Après, c'est très très léger, hein. C'est pas hyper rembourré ou quoi. Voilà, je pense que ça risque de s'abîmer vite, surtout si on le met comme ça dans le sac à main. Mais c'est original, j'aime beaucoup. Alors j'avais commencé à tirer sur une étiquette d'un autre truc en tissu. Ouh là là, c'est beaucoup plus grand. Ouh là. Alors ça a l'air d'être une tenture. Ah oui, je crois que c'est City of Brass, la série. Je crois que Fairyloot a ressorti une édition exclusive à l'occasion de la sortie du tome 3, il me semble. Often the mightiest things have the humblest beginnings. C'était compliqué à lire cette police d'écriture, mais c'est juste trop beau. Alors, City of Brass, c'est aussi une série qui m'intéresse éventuellement. Pas dans les médias, un peu moins que les autres, on va dire, mais c'est aussi une série qui m'intéresse et je trouve que c'est vraiment magnifique. Oh, cette tenture, elle est trop, trop belle. C'est un tissu un petit peu torchon, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, c'est pas un torchon, ça me paraît un peu grand. C'est juste, je pense, voilà, tout simplement pour de la déco. Mais je trouve ça vraiment original et même à mettre dans un cadre à la limite, ça peut être vraiment chouette et très très joli. J'adore les couleurs. Pas sûr que ce soit City of Brass, mais vraiment le visuel et les couleurs me font penser à cette série, donc on verra. Donc voilà, un nouvel item, pareil, original, oui ou non, parce que je sais que ça a déjà été fait dans d'autres box, mais en tout cas vraiment sympa et de qualité surtout, donc. Ils assurent, franchement, Fairyloot, ils assurent. La box a été longue à arriver, mais ça valait le coup. Ensuite, qu'est-ce qui reste?
Je crois qu'il reste que le bouquin et les cartes de tarot. Donc on va sortir les cartes de tarot. Je vais sortir le bouquin avec sa pochette pour vérifier. Il est emballé, donc je vois pas ce que c'est, comme d'habitude. Alors, les cartes de tarot. 3 of cups, 4 of cups, donc 3 et 4 de coupe à l'arrière, comme d'habitude, et le recto. Le livre. Alors, je pense que c'est, je me souviens plus du premier mot, mais il y a Serpent Thorn dans le titre. Je me souviens, il y a un mot, virgule, serpent, virgule, thorn, et je me souviens plus, voilà, du premier mot. Il a des spread edges. Oui, c'est ça, je suis trop contente. Girl, Serpent, Thorn, de Melissa Bachardost. Je ne suis pas sûre qu'on le dise comme ça, mais bon, bref. C'est chez Other and Stoughton. Sometimes the princess is the monster. Et donc, je vous rappelle que dans cette histoire, on va avoir affaire à une princesse qui est touchée par une malédiction, puisqu'elle est condamnée à empoisonner toutes les personnes qu'elle touche. Il est incroyablement beau. La couverture originale, me semble-t-il, est plus dans les tons blancs et on a du rose uniquement au niveau des fleurs et peut-être du serpent. Donc là, les couleurs ont été carrément inversées, il me semble. Mais je le trouve vraiment joli. Les spread edges sont vertes, du coup. Voilà. Oh, il est vraiment trop beau. Oh là là, je l'adore. Je l'adore. Je le trouve vraiment magnifique. On a une illustration sur le revers de la dust jacket avec les personnages principaux. Le hardback, il est blanc, tout simple. Il n'y a pas d'embossage. Le dos est comme ceci. Et à l'intérieur, à l'endroit, ce serait mieux. Il est signé par l'autrice. Petite signature. Et c'est tout, il n'y a pas d'entête de chapitre particulière, les numéros des chapitres sont particulièrement énormes, mais c'est tout. Il n'y a pas de carte non plus, donc je vais le remettre dans sa dust jacket. Il est trop beau, voilà, je suis trop fan, il est juste trop magnifique et j'ai tellement tellement envie de le lire. Et il sort en juillet, il me semble, à moins qu'il soit sorti un peu plus tôt déjà et que ce soit le paperback qui sorte en juillet, je suis pas sûre. En tout cas, il est dans ma wishlist de juillet, donc je vais pouvoir l'enlever. Ça c'est plutôt cool et il va rejoindre ma pile à lire et j'ai tellement tellement hâte de lire que je pense qu'il est possible que je fasse le read-along pour le lire très très vite quoi. Je vais continuer à regarder du coup ce qu'il y avait dans la petite pochette. Comme d'habitude, on a le marque-page qui correspond au visuel du thème du mois. On avait également une illustration. Alors là, je suis un petit peu triste parce que c'est sur du papier tout simple. D'habitude, c'est plutôt sur du papier un peu cartonné, mais bon, tant pis. Donc une illustration des personnages principaux et à l'arrière on a la lettre de l'autrice, toujours dans ses tons rose poudré comme ça, j'adore, je trouve ça vraiment magnifique. Et pour terminer, le Fairy Scoop avec à l'intérieur une interview exclusive de l'autrice. La différence entre la couverture originale et l'édition exclusive Fairy Loot. Comme je vous l'avais dit, la couverture originale est plutôt blanche et le rose se retrouve uniquement sur les fleurs. Et on a aussi la date pour le read-along et c'est Cody qui va le gérer et ce sera à partir du 29 juin. Je vous mettrai le lien vers la chaîne et l'Instagram de Cody dans la barre d'infos. Le thème du mois de juin, c'est A Different Kind of Magic. On a le visuel ici. On aura des goodies inspirés par The Bone Season, Avatar The Last Airbender, The Starless Sea, The Shadows Between Us, Alice in Wonderland et Blood Air. Dans le lot, il y a The Bone Season qui m'intéresse, The Starless Sea, The Shadows Between Us, Alice in Wonderland et je crois que c'est tout. Les deux derniers, Avatar et Blood Air, m'intéressent pas forcément. Et la box de juin contiendra deux livres. Le deuxième livre, ce sera une sortie young adult qui ne paraîtra pas avant le printemps 2021. Donc grosse, grosse exclusivité. Ce sera un paperback avec une couverture avec du foil et des spread edges. Et pour l'autre roman, ce sera un conte sur le destin et la sororité avec de la magie chamanique. Une histoire épique où les nouvelles compétences seront réveillées et testées pendant que les ténèbres s'étendent sur le royaume et apportent la guerre. Et cette édition exclusive de Fairy Loot aura une couverture exclusive, Artwork on the Reverse of the Dust Jacket, donc illustration sur le revers de la Dust Jacket, et sera signée par l'auteur. Et pour finir, on a les dates
du prochain Fairyloot Photo Challenge. On va terminer avec le menu pour voir qui a fait tous les goodies et de quel fandom ils étaient inspirés, même s'il y avait beaucoup beaucoup d'indices quand même sur les goodies, donc je pense que je me suis pas tellement trompée. Bookish Teen, c'est la boîte qui a été réalisée donc par Chatty Nora et qui est inspirée de We on the Flame, c'est écrit sur la boîte, donc là je risque pas trop de me tromper. La cuillère en bois a été réalisée par KDP Letters et est inspirée par Hero of the Fall de Alwyn Hamilton. Et comme c'est pas le nom en français, je peux pas être certaine que c'était bien la série à laquelle je pensais, mais je vous redirai ça ici. Alors eux, ils appellent ça une tea towel, donc une serviette à thé. Donc c'est un torchon en fait, enfin, il me semble. Hein. Donc vous faites ce que vous voulez avec. Et c'était effectivement inspiré par The City of Brass et c'est réalisé par Evie Bookish. Les salles de bain ne sont inspirées par aucun fandom en particulier, c'est bien ce qui me semblait, c'était juste par rapport au thème. Par contre, ils ont été faits par Little Art Gifts. La bougie a été réalisée par Weekend Fable et c'est inspiré par An Ember in the Ashes de Sabataïr, c'était écrit sur la bougie. La pochette pour les lunettes, ils écrivent lunettes de soleil, mais lunettes tout court, ça marche aussi. C'était inspiré par donc The Forbidden Wish, c'était aussi écrit dessus et c'est réalisé par Kitster Kronk. Et donc, les deux cartes de tarot sont bien toujours inspirées par A Throne of Glass de Sarah J. Maas et c'est toujours réalisé par Gabriella Bushdoso. Et pour le roman, donc sur l'illustration qui est au revers de la Dust Jacket a été réalisée par Ori Kie. Et l'illustration des personnages sur la lettre de l'auteur, donc celle-ci, a été réalisée par Merwilden Co. Et voilà, c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour cette fois-ci. Je ne résiste pas à vous remontrer cette petite merveille parce qu'il est juste trop magnifique. Il fait 320 pages, donc ça va se lire très très vite, je pense. C'est de l'anglais, donc pas si vite que ça, mais bon. Voilà, vous avez compris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le livre que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse et si vous pensez que les goodies étaient adaptés au thème qui, je vous le rappelle, était Desert Dreams. Moi, je trouve que oui, là, il n'y a pas photo. On était vraiment, vraiment top. En tout cas, au niveau des fandoms, c'était génial. N'hésitez pas également à me dire quel est votre goodies préféré. Moi, je pense que c'est la boîte à thé. Franchement. Elle est juste trop magnifique. Et je suis une buveuse de thé, donc ça joue aussi. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !